Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la customisation de la toute nouvelle moto, la Power Stage. Power Stage, c'est une nouvelle moto qui est sortie eh bien, cette semaine. Donc vous allez tout simplement ici dans Legendary Motorsport et c'est la toute nouvelle moto qui se trouve ici, 1 600 000. Elle coûte quand même assez cher. J'espère qu'elle va être quand même assez rapide. Donc apparemment la moto est très rapide et ce serait une moto électrique. On va tester ça. Avant toute chose, on est le 31 aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous connecter pour avoir vos petits cadeaux. Donc je vous montre ce que vous avez eu. Alors vous allez dans info, hop, notification, et non, comment, enfin, quand vous vous connectez, vous allez lire vous. Mais je vous montre, donc vous avez des lunettes en or, des lunettes en argent, des lunettes nouvel an, arc-en-ciel, un casque à bière, les lanceurs pyrotechniques, les 20 feux d'artifice, le plein dans cas, protection intégrale, 25 bombes collantes, 5 grenades, 5 minutes de proximité et 10 cocktails. Donc voilà, ça c'est les cadeaux d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous connecter en cette période de nouvel an si vous voulez avoir vos cadeaux de nouvel an. Voilà, ça prend 2 secondes, hein, vous êtes juste allé dans une session. Oh la vache, par contre elle est rapide, ce serait... Oh shit! Ah ouais, la moto est vraiment, vraiment très, très rapide, les gars. Attends, me dites pas que c'est... Faut qu'on fasse les tests avec la salle. C'est pas la moto la plus rapide de GTA quand même. Je ne pense pas que ça peut être la moto la plus rapide de GTA. Parce que c'est... Ah ouais, merde. Ok. J'ai pas vu qu'il y avait un mur. Du coup, parce que je disais effectivement, peut-être qu'au démarrage, c'est rapide, tu vois. Ok, c'est parti. On va aller custom la moto. Donc, on est OLS custom. Oh my god. Est-ce que déjà, si elle a le HS. W, à mon avis, les gars, ça risque d'être la moto la plus rapide. Mais bon, je ne pense pas qu'elle l'est. Sinon, il l'aurait dit, on va voir. Attention, peut-être qu'elle a, les gars, je sais pas. Hop, ok, option. Et on est parti pour modifier le véhicule. C'est parti pour la customisation de la moto. La wow, Power Touch, Power Touch. Alors, blindage, on met à fond. Ok, déjà, elle n'a pas la transformation HSW. Alors, carrosserie, sans carrosserie, ça donne ça. Et futuriste, électrique, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Alors, ça augmente un peu la tenue de route. Je sais pas si vous avez vu, regardez en bas, la tenue de route qui s'augmente un peu. Ouais. Frein de course, forcément. Moteur, bah, niveau 4, hein, les gars, tout est bien. Moteur niveau 4, ça c'est sûr et certain. Alors, le carénage, on a quoi? Ouais, c'est ça là en haut. Regardez, hop, je vous zoome un peu. Ah ouais. Ouais, il est beau celui-là, futuriste. Elle est belle la moto. Franchement, les gars, c'est une bête bête de moto. Futuriste, ok. Cadre. Rien à voir. Rien à voir du tout. Avant de course. Couleur, je pense. Couleur, c'est bien. Selle. Alors, la deux séries. Ah, c'est pas mal comme ça en... On a rembourré, allongé et allongé motif. Je pense qu'on va mettre allongé motif. Attendez, faut regarder par derrière comment ça donne en allongé. Oh, allongé motif, ça donne pas mal. Hein. Ça fait vraiment futuriste, ça fait vraiment siège du futur et tout. Alors, réservoir. On va mettre forcément le réservoir futuriste, j'imagine. Waouh. Électrique, il est beau aussi. Hein. J'aime beaucoup l'électrique. Hein. Il est sympathique aussi l'électrique. Mon classique, c'est ça. En vrai, il y a pas mal de choses. Mais le futuriste, il est vraiment choquant, quoi. Après, bon, après, on a fait tout en futuriste. Donc, je pense qu'on va partir sur futuriste, les gars. Voilà, klaxon, s'en fout. Éclairage, phare xénon. Phare xénon? Motif. Alors, qu'est-ce qu'on a comme motif? Bande noire, bande blanche. Oh, je sais pas où est-ce qu'elle... Ah, c'est ça, ok. Bande noire, bande blanche. On a western, love, fist. Ouais. Camouflage, donc dégueulasse, dégueulasse. Pourquoi pas. Western classique. Ou course classique. Oh, pas mal comme ça. Oh, sympa. Sympa, sympa, sympa. Sympa, sympa. Mais il faut une couleur qui va bien avec. Je verrai ça après pour le motif. Rétro de course, ok. Plaque. On va mettre la... Ouais,
la blanche, pas mal comme ça. Est-ce qu'on met un garde-boue en jaune? En noir, j'aime mieux. Je préfère en noir. Parce que trop de jaune, tu le joues. Enfin, trop de couleur, tu la couleur, je pense. Alors, couleur principale, je vais voir en caméléon ce que ça donne, la moto en caméléon. Non, pas ouf. Moi, de base, je pense que je vais partir sur un. Y a pas mal de choses quand même. Hein. Un petit bleu. Un petit bleu ultra. Même en blanc, ça peut être pas mal. Attendez, je vais tester comme ça. Blanc, motif, comme ça. Non, pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Bon, on va partir sur le ultra, je pense. Hein. Le ultra. Hop. Couleur secondaire également. Ah, couleur secondaire, on peut peut-être partir sur du blanc là. Blanc. Alors, je vais juste tester un truc. Motif, du coup. Et le motif, je vais mettre ce. Waouh, incroyable. En rouge comme ça ou en bleu? En full bleu. Je pense en rouge. Ouais. Beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai fait une moto un peu américaine. C'est sympathique. Alors, je voulais juste voir un truc, les gars. C'est peut-être. Alors, c'est pas là. Ouais, couleur secondaire, ça donne quoi? Du coup, là, il n'y en a pas. Voilà, ouais, couleur 2 là. Ou couleur. Non, pas là. Celle avant, on peut laisser. Carrosserie, c'est bon. Blindage, c'est bon. Frein, on s'en fout. Carénage, s'en fout. 4 couleurs secondaires. Ouais, non, bah c'est bon. Je crois que c'est bon. Écoutez, je pense qu'on a tout mis. Hein. Peinture, c'est bon. Roues, ah, les roues. Bah, les roues, je pense qu'on va laisser celle-là. Hein. Les roues, on va pas. Peut-être mettre amélioration des pneus. Pneus à faible adhérence. Non, pneus à l'épreuve des balles. Fumée de pneus. On va mettre en bleu. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Peut-être changer l'éclairage. Mettre des phares bleus. Ça fait un peu trop, je pense. Ok. Ok. Bah, je pense qu'on a fini. Peut-être la roue. Non, je pense qu'on peut laisser celle de base. Ouais, ok. Magnifique. Je kiffe ma customisation. N'hésitez pas à mettre une note sur 10, les gars, sur ma custom. C'est cadeau, c'est gratuit. Mais vous pouvez, hein. Vous pouvez mettre une petite note sur 10. Hop. Vous pouvez, les gars. Franchement, vous pouvez mettre une petite note sur 10. Et on va surtout quitter. Et on va tester cette moto. Mais après, il neige, hein, donc c'est assez chiant. Elle est trop belle, incroyablement belle cette moto. Elle est vraiment trop trop belle. Je kiffe la moto. Franchement, je kiffe la moto. Mais elle est rapide, elle m'a l'air quand même rapide. Hein. Oh, franchement, je vais regarder le compteur, mais. Ah ouais, magnifique le compteur. Ok. Oh, non, mais elle est vraiment belle, les gars. Ok, eh bien, écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Moto magnifique à acheter, franchement. Bon, le prix, c'est quand même assez cher. Mais bon, c'est une moto électrique, hein, c'est pas mal, c'est nouveau. Et franchement, elle a de la patate, hein. En fait, j'ai envie de voir. Non, mais je peux pas voir. Ouais. Ok. Bon, on va tester ça avec la salle quand il n'y aura plus la neige, parce qu'avec la neige, c'est pas testable.